Le compte à rebours est lancé. Le 28 mars prochain, TF1 donnera le coup d'envoi de la 12e saison de Clem. L'occasion pour la série familiale d'accueillir de nouveaux personnages, qui viendront redessiner les contours du quotidien de Clem, Lucie Lucas, Valentin, Thomas Chomel, et les autres. Vue à l'écran dans les séries Profilage et Fais pas ci, Fais pas ça, la chanteuse Elena Noguera a notamment été choisie pour incarner Iris Khan, la nouvelle professeure de Valentin et Isia, Lily Nambinasoa. François David Cardonnel, gagnant de la 6e saison de Koh-Lanta sur TF1, succédera quant à lui à Benoît Michel dans le rôle de Jérôme Bertin, l'ex-mari de Clem. Et ce n'est pas tout. Connue pour son rôle dans le feuilleton de TF1 Demain nous appartient, Alice Varela a également été choisie pour rejoindre le casting de Clem. Comme le dévoilent les photos promotionnelles de la saison 12, l'interprète de Judith se glissera dans la peau d'une étudiante en design, qui se retrouvera dans la même classe que Valentin et Isia. Sur l'un des clichés, la comédienne de 22 ans apparaît aux côtés de Lily Nambinasoa. Thomas Chomel et Elena Noguera sont également présents. Pour l'heure, aucune information n'a été dévoilée sur ce nouveau personnage. La saison du nouveau départ toujours portée par Emmanuel Remagnan et Pascal Fontani, la saison 12 de Clem sera celle du nouveau départ pour les habitants de Chenouville. Tandis que Valentin et Isia découvriront la vie d'étudiant, Clem emménagera avec son nouveau petit ami, Mathieu Collina, Lou Denis et Lyon. Emma, Elina Solomon, de son côté, fera face au retour de son père, et Adrien, Agustine Galliana, fera une découverte susceptible de bouleverser sa vie. Enfin, Marie-France se lancera dans une nouvelle carrière. Les deux premiers épisodes de Clem saison 12 seront diffusés le lundi 28 mars prochain à partir de 21h10 sur TF1.